إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui nous dispensons un cours qui a pour sujet tout ce qu'il faut savoir sur Salat al-Tarawih, la prière donc du Tarawih. Il y a des choses qui sont connues, certaines beaucoup moins connues, et d'autres qui ont besoin d'éclaircissement. C'est ce que nous allons essayer, bi-idhnillah, de faire durant ce cours, de mettre donc la lumière sur ce qui peut être ambigu sur certains points, ou alors des choses qui sont beaucoup moins connues chez les frères et les sœurs. Pour ce qui est de la prière du Tarawih, pourquoi on l'a appelé Tarawih? Tout simplement parce que les gens des premiers temps, lorsqu'ils priaient cette prière, ils se reposaient entre ces prières. Bien entendu, Salat al-Tarawih, elle est composée de plusieurs unités de prière, de plusieurs rak'at, comme on va le voir. Et les gens, donc, des premiers temps, les salaf, ils se reposaient entre ces prières. C'est pour ça, donc, que ça a été nommé et que ça a été enregistré comme cela dans la communauté, comme Salat al-Tarawih, auprès des savants. Yartahoun, yastarihoun. Et on va le voir dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait quatre unités puis quatre unités. Et le fait donc qu'il ait cité quatre unités, ensuite quatre unités, ça nous donne une indication ici assez précise et qui est donc qu'après avoir prié quatre unités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se reposait et reprenait ensuite. Donc c'est ainsi qu'a été nommé Salat al-Tarawih. Pour ce qui est de Al-Mashru'iyya, est-ce que cette prière elle est légiférée? Et c'est bien entendu la première question à laquelle on va répondre, car elle est essentielle et fondamentale, sachant que certains disent qu'elle n'est pas légiférée. Mais l'ensemble des descendants de cette communauté, qadiman wa hadithan, que ce soit les premiers ou les contemporains, ils ont prouvé avec des preuves claires prises de la sunna que cette prière elle est bel et bien légiférée et qu'elle rentre en réalité, comme on va le voir un peu plus tard, dans ce qu'on appelle salatul qiyam, car c'est ici un qiyam, qiyam ou layl, donc c'est le fait de prier durant la nuit, ni plus ni moins. Dans un premier temps, comme nous l'a rappelé Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans sa risala Salat al-Tarawih, il nous rappelle que Al-Mashru'iyya, le caractère légiféré de cette prière, elle repose sur trois points essentiels. Le premier, c'est Iqraru, sallallahu alayhi wa sallam, bil jama'a fiha. C'est-à-dire que la première série de preuves concerne l'approbation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de cette prière. Et cela nous est prouvé par ce hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi, et qui également a des shawahid, akhrajou ibn Nasr, fi qiyam al-layl, ou Abu Dawud, ou Al-Bayhaqi nafsu. Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhat al-layla fi Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti une nuit durant le mois du Ramadan. Fara'a an-nasa fi nahiyat al-masjid yusallun, faqala ma yasna' haoula, qala qailun ya Rasulullah haoula nasun, laysa ma'um Qur'an, wa Ubay ibn Ka'b yaqra. وهم معه يصلون بصلاته فقال قد احسنوا او قد اصابوا. Donc cette approbation on l'apprend de ce hadith où le prophète sallam lorsqu'il est sorti durant cette nuit, il a vu des gens dans un côté de la mosquée qui priaient ensemble et il a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc on a répondu au prophète sallam que ce sont des personnes qui sont avec Ubay ibn Ka'b et qui eux n'ont appris du Coran, ou peut-être pas assez pour pouvoir prier assez longtemps durant le Qiyam, Qiyam al-Layl.
Alors, ils se sont réunis autour de Ubay ibn Ka'b qui priait comme imam et donc il priait sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qad ahsanu, qad asabu, c'est-à-dire qu'ils ont fait une chose qui est bien. Ils ont fait une chose qui est conforme avec al-haq, qad asabu, qui est conforme donc avec ce qu'ils devaient faire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il a approuvé ce geste-là des compagnons. Donc ici c'est une première preuve et ça rentre donc dans le premier point qui est iqraruhu sallallahu alayhi wa sallam bil jama'ati fiha. La deuxième catégorie de preuves, donc bien entendu on ne va pas citer toutes les preuves, mais on va rester concis inshallah ou ta'ala pour ne pas être trop long pour ce cours, car il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette prière. La deuxième catégorie c'est iqamatuhu sallallahu alayhi wa sallam iyaha. Tout simplement c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il l'a prié en jama'a, c'est-à-dire donc avec ses compagnons. Et parmi les hadiths qui nous sont cités, le hadith de An-Nu'man ibn Bashir, qui est rapporté par Ibn Abi Shayba fil Musannaf, wa kadhalik al-Nasa'i wa Ahmad, et d'autres encore, et qui est un hadith dans la chaîne de transmission authentique, An-Nu'man ibn Bashir, qumna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, laylata 23 fi shahri Ramadan, إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح قال وكنا ندعو السحور الفلاح. Donc dans ce hadith, An-Nu'man ibn Bashir, il nous rappelle qu'il prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit, la 23e nuit du mois du Ramadan. Ils ont prié jusqu'au premier tiers de la nuit. Il a thuluth al-layl al-awwal. Et on va voir que c'est cela la sunna, c'est de prier, pour ce qui est de salat al-tarawih, c'est de prier donc la première partie de la nuit, et non la dernière. C'est ça la sunna, et on va le voir à travers d'autres paroles de savants, et des preuves sur cela, venues des compagnons. Thumma qumna ma'ahu laylata 25. Ensuite donc, ils ont prié également la 25e nuit. Cette fois-là, ils ont prié jusqu'à la moitié de la nuit. Et ensuite, ils ont prié la 27e nuit. Et cette fois-ci, jusqu'à qu'ils ont cru qu'ils n'allaient pas pouvoir atteindre Al-Falah. Le terme Al-Falah, ici, qui est employé dans ce hadith, ça veut dire Al-Suhur. Car ils appelaient Al-Falah comme ce terme que l'on trouve dans Al-Adhan, l'appel à la prière, Al-Falah, qui est donc l'appel au succès. Ils l'appelaient donc Al-Falah As-Suhur. Ils appelaient Al-Falah As-Suhur. Donc voilà pour ce qui est de ce hadith. Ce qui nous prouve que le prophète sallam, il a bel et bien prié avec ses compagnons durant cette 23e nuit, cette 25e nuit, et également cette 27e nuit. La première fois jusqu'à le premier tiers, la deuxième fois jusqu'à la moitié, et la troisième fois jusqu'à que, juste avant le Fajr. Ensuite, la deuxième preuve que l'on rapporte dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié cette prière en jama'a, en groupe, c'est ce hadith, et qui est lui le plus connu. Al-Mashhur, an Aisha, كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان بالليل أوزاعا يقول مع الرجل شيئا من القرآن فيكون معه النفر الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاتي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب لو حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة فقالت فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصير على حاله فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك ليلة فاجتمع أكثر منهم وأمسى المسجد راجا بالناس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الثانية فصلوا بصلاتي فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد حتى اختص بأهلي من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاتي فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهلي فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم دخل بيته
وثبت الناس. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت فقلت له يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. قالت فقال اطوي عنا حصيرك يا عائشة. قال ففعلت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافلا وثبت الناس مكانهم فتفق رجال منهم يقولون الصلاة حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد أيها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا وما خفي علي مكانكم ولكن تخوفت أن يفترض عليكم وفي رواية لكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجز عنها فكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يميل حتى تملوا. Donc dans ce hadith qui est tawil et qu'on va donc résumer, c'est que Aïcha, elle nous rappelle que les gens, ils priaient dans la prophète, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois du Ramadan auza'an. Auza'an, c'est-à-dire donc en groupe. Et donc il y avait une personne qui priait, qui lui connaissait assez de Coran pour prier avec d'autres personnes, et donc ils étaient comme ça, mutafarriqin. Donc ils étaient dispersés par 5-6, donc en groupe par 5-6, chacun avec un imam. Et ils priaient ensemble, donc, la nuit du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cela, il a ordonné qu'on dépose une natte tissée en paille, ou un paillasson, hasiran, devant donc la porte de son appartement. Et on savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son appartement était collé à la mosquée. Était raccollé à la mosquée. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc après cela? Il a prié. Et les gens, il a prié donc le Isha, et ensuite il a continué à prier la prière de Al-Qiyam. Et les gens, ils se sont réunis autour du prophète. Tous se sont réunis, bien entendu, autour du prophète, ceux qui priaient en groupe. Il a prié longuement. Et ensuite, il s'est dispersé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a délaissé sa natte comme telle. Il est revenu la deuxième nuit. Et il a fait de même. Et bien entendu, entre-temps, les gens, les sahaba, ils se sont passés le mot pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie comme imam durant la nuit. Salat al-Qiyam. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils sont venus de plus en plus nombreux, jusqu'à que la mosquée est devenue pleine, qu'elle ne pouvait plus accueillir tous ces gens-là. Elle était pleine à craquer, comme on pourrait dire. Et cela donc est advenu la deuxième nuit, la troisième nuit, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui était de la quatrième nuit? La quatrième nuit, le prophète, lorsqu'il a vu cela, il a prié. Al-Isha. Et ensuite, quand il a vu ces gens, il est rentré dans sa maison, dans son appartement. Et les gens, ils sont restés à leur place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé Aïcha sur cela. Et Aïcha donc, elle lui a informé que les gens, ils ont entendu que tu priais les dernières nuits. Et donc, ils se sont réunis auprès de toi. Et bien entendu, le groupe a augmenté. Lorsqu'il a vu cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé donc qu'on replie sa natte. Et Aïcha l'a fait, et donc, elle a répondu à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il nous est bel et bien précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait ce qu'il faisait. Et il savait que les gens les attendaient. Donc, ta'ammada le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il l'a fait volontairement. Et ils ont commencé, les gens, à dire as-salah, la prière. Et ils sont restés comme tels durant cette nuit-là. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti pour la prière du sobh. Et lorsqu'il a prié al-fajr, Aqbala ala nas, c'est-à-dire donc il s'est retourné vers les gens de par son visage et il leur a dit Ya ayyuhan nas, c'est-à-dire ô vous les gens, je ne suis pas resté ainsi cette nuit-là, c'est-à-dire sans être sorti pour prier avec vous en groupe, de manière inattentionnée, rafilan, mais c'était bel et bien voulu de ma part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et c'est ici un point qui va être donc très très important pour la suite et pour comprendre donc ici Wajh al-Istidlal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous citer ici, il va citer donc à ses compagnons al-illa, la cause pourquoi cette quatrième nuit il n'est pas sorti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a bel et bien pris la première nuit avec eux, la deuxième nuit, la troisième nuit, il les voyait, ceux qui étaient derrière lui. Il a fait cela. Mais lorsqu'il a vu qu'il y a eu tellement de gens qui sont venus, et lorsqu'il a vu donc que cela devenait continuel, il s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? Et c'est là qu'il va nous citer donc al-illa, la cause. Il va nous dire qu'il a eu peur que cette prière, elle ne devienne obligatoire. Du fait qu'il l'a pris et du fait que les gens prient continuellement derrière lui, que al-wahi yanzil, que la révélation descende pour rendre obligatoire cette prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il avait un rifq, une grande douceur pour sa communauté et qu'il ne voulait pas que cette communauté lui soit chargé des adorations, communauté qu'elle ne peut accomplir, sinon avec une grande difficulté. Bima shaqqatin. C'est pour ça qu'il leur a informé de cette cause-là. Il a eu donc peur qu'elle devienne cette prière obligatoire et que les gens, par la suite, yarjizun, c'est-à-dire donc qu'ils aient l'incapacité de prier cela de manière continuelle. Car la chèque, que ça demande un grand effort de prier durant la nuit, surtout quand c'est étalé sur une longue période, et que ça devienne obligatoire pour tout le monde, c'est-à-dire obligatoire, serait donc très difficile pour cette communauté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rifqan bihadhi l'umma, il a délaissé la prière en commun cette quatrième nuit. Et il nous a rappelé également ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les actes sont ceux que l'on peut accomplir avec notre capacité. Et il nous rappelle qu'Allah Azza wa Jal, il ne se lasse pas tant que nous ne nous lassons pas. Et si on se lasse, Allah Azza wa Jal, alors il se lasse ici, de cette adoration. Bien entendu, pour ce qui est de ce terme employé dans le hadith, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que ça fait partie de Sifatullah? Ça fait partie donc des attributs d'Allah ou pas? Il y a une divergence chez les savants et ceux qui ont dit que c'était un attribut d'Allah Azza wa Jal, c'est bien entendu un attribut ici qui est complet et sans axe, contrairement donc à l'être humain. Tayyib. À la kulli hal ici, ce qui est voulu par le hadith, c'est que la personne, elle prie et elle fait les actes d'adoration suivant sa capacité. Et si ensuite elle arrive à faire un acte d'adoration, mais alors qu'elle est là de cet acte-là, alors il n'a plus vraiment une grande valeur. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est de faire des actes d'adoration qu'on a la capacité de faire et qu'on le fait donc sans être là. Ensuite, donc ici une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bel et bien prié avec les gens durant les nuits du Ramadan, durant ces nuits donc du Ramadan. Et ici, une version supplémentaire et qui nous rappelle, comme nous l'informe l'imam Az-Zuhri, فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. C'est-à-dire donc, ensuite, le prophète sallam, il est mort et les gens, ils étaient dans cet état. C'est-à-dire donc que cette prière n'a pas repris avec le prophète de manière continuelle. Et ça a été de même durant le khilafa, devant le califat de Abu Bakr, et également les débuts du califat de Omar. Et on va voir plus tard que c'est ensuite Omar qui a revivifié cette sunna. Il a fait revivre cette sunna, car c'est bel et bien une sunna, comme on va le voir. Ensuite, la troisième catégorie de preuves ici, que l'on va citer, c'est tout simplement bayanuhu sallallahu alayhi wa sallam li fadliha. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé du bienfait, du fadl de cette prière-là.
Et on va voir cette parole de l'imam Ahmed qui nous dit Sami'tu Ahmed qila lahu yu'jibuka an yusalli ar-rajul ma'a an-nas fi Ramadan aw wahda. Qal yusalli ma'a an-nas wa sami'tu aydan yaqul yu'jibuni an yusalli ma'a al-imam wa yutiru ma'a. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna ar-rajula idha qama ma'a al-imam hatta yansarifa kataba Allahu lahu baqiyata laylatihi. Et également il est rapporté de Ahmed, comme nous le rappelle Abu Daoud, قيل لي أحمد وأنا أسمع يؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل قال لا سنة المسلمين أحب إلي. Donc ici l'imam Ahmed, lorsqu'il est, on lui a posé la question, rahimahullah, est-ce que tu préfères que les gens ils prient en groupe ou alors durant le mois du Ramadan bien entendu ou qu'ils prient seuls? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yusalli ma'annas, c'est-à-dire il prie avec les gens. Le mieux, c'est que le musulman prie donc avec les gens en groupe. Et l'imam Ahmed, il nous a rappelé pourquoi. Il nous a rappelé donc ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rentre ici dans cette catégorie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bel et bien mis en évidence qu'il y avait un fable dans le fait de prier durant ces nuits-là avec l'imam. Dans ce hadith qui est plus que clair et qui est un hadith authentique, Inna rajula, l'homme, lorsqu'il prie avec l'imam, jusqu'à que cet imam finisse sa prière, c'est-à-dire qu'il finisse sa prière et qu'ensuite il quitte sa place, alors à ce moment-là, si cette personne-là, elle a prié toute la prière derrière l'imam jusqu'à qu'il finisse sa prière, jusqu'à la dernière unité de sa prière, alors Allah Azzawajal, il lui écrit le reste de cette nuit. C'est-à-dire, il lui écrit, il lui donne la récompense du reste de cette nuit comme s'il avait prié toute la nuit. Comme s'il avait prié toute la nuit. Donc c'est la récompense qu'il va avoir du fait qu'il a prié en groupe avec cet imam jusqu'à la fin. Ça nous prouve bel et bien ici qu'on est bien ici dans Bayan, Bayan ou Fadli, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis donc en évidence, qui nous a informé du bienfait de cette prière. Donc voilà, trois catégories. Avec des preuves qui nous prouvent que cette prière-là, elle est bel et bien légiférée. Elle est bel et bien légiférée. Et ici, une faïda qu'on va donner, c'est que l'imam Ahmed, lorsqu'on lui a demandé, est-ce qu'il prie les derniers moments de la nuit ou les premiers moments de la nuit, il a dit non. Il prie les premiers moments de la nuit. Car c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Il a prié directement avec les musulmans après l'Isha. Tayyib. Donc ici, prier en groupe durant le mois du Ramadan, le mieux, ou à l'hadith sunna, c'est de prier au début. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il a dit, il est préférable de prier, ou ahabbu ilay, c'est-à-dire, c'est ce que j'aime le plus, c'est qu'il prie au début, yani, le début de la nuit, fi thuluthil awwal, le premier tiers de la nuit. Contrairement donc aux autres prières que l'on prie durant le reste de l'année, durant la nuit, et lorsqu'on est seul, c'est vrai qu'il y a un fable de retarder la prière, car on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend du dernier tiers de la nuit, tayyib. Mais ici, la situation est différente pour ce qui est du mois du Ramadan, avec les preuves et avec les paroles de ces grands imams qui nous rapportent et qui nous rappellent donc qu'il est mieux de prier le début de la nuit. Après avoir vu son caractère légiféré à cette prière-là, il nous est important de savoir combien de raka'at, combien d'unités de prière les musulmans ils prient durant Salat al-Tarawih. Il y a ici une divergence entre les savants qui est bel et bien connue. Et on ne va pas rentrer dans les détails de cette divergence car ça prendrait beaucoup de temps. Et on rentrerait également dans des spécificités propres à la science du hadith. Mais on va rappeler ici qu'il y a deux grands avis. Le premier avis, c'est que la prière de ces nuits-là et de toutes les nuits lorsque l'homme il prie, c'est qu'elle ne doit dépasser 11 rak'ah ou alors 13 rak'ah, comme on va voir. 11 unités de prière ou 13 unités de prière.
et qu'il n'est pas permis à la personne de dépasser ce nombre d'unités de prière durant Salatul Tarawih et également durant les autres nuits. Et on va voir pourquoi. Et le deuxième grand avis, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un tahdid. C'est-à-dire, il n'y a pas un nombre restreint d'unités de prière que l'on doit prier durant cette nuit-là. Qui nous est obligatoire de prier durant cette nuit-là et qu'on a le droit donc de dépasser. C'est également donc un deuxième avis des savants. Le premier avis, il se repose sur des preuves que l'on va voir et qui nous prouvent de manière claire que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais prié plus de 11 raka'a et dans certains cas, 13 raka'a. Et que ce qui était rapporté de lui, qu'il a prié 20 unités de prière durant la nuit, ce sont des hadiths qui sont faibles. Et que ce qui était rapporté des sahaba, et notamment Omar, qu'ils ont prié 23 unités de prière, certains savants ont vu que c'était également faible. Comme c'est l'avis de l'imam al-Albani dans sa risala, Salatul Tarawih. Et le deuxième avis, eux, ils reposent donc sur ce qui est général, en prenant un hadith que l'on va citer ici, et également, eux, ils voient, ces savants, qui n'est bel et bien authentique des sahaba, qu'ils ont prié plus de 13 raka'at. Que ce soit Omar ou d'autres encore. Pour ce qui est du hadith qui est pris donc de manière générale, c'est ce hadith suivant. An-Nafi' wa Abdullah ibn Dinar an ibn Omar. C'est-à-dire que Nafi' Abdullah ibn Dinar, il rapporte ce hadith de ibn Omar. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Salatul Layl, mathna mathna. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى توتر له ما قد صلى. Donc ici ils ont dit dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam salatul layl mathna mathna, c'est-à-dire donc que la prière de la nuit se fait par paire, donc des unités qui se font par paire, mathna mathna. Salatul Layl, Mathna, Mathna. Ici, ces savants, ils ont dit, comme c'est l'avis de l'imam, Ibn Baz et d'autres encore, ils ont dit, El Khabar ici, c'est un Khabar, Ma'na ul Amr. Donc ici, on a bien un Khabar, c'est-à-dire une information. Salatul Layl, Mathna, Mathna. C'est-à-dire la prière de la nuit se fait et par paire. Ils nous disent, les savants, que ce Khabar, Ma'na ul Amr, qu'il a la signification de l'obligation. Et qu'en réalité, ça veut dire donc « Sallu fil layl mathna mathna ». C'est-à-dire, c'est comme si le prophète il avait dit « Priez cette nuit-là » ou « Priez les nuits par paire ». C'est donc un ordre. « Priez les nuits par paire ». Wajal istidlal, c'est-à-dire ici qu'ils ont pris ce texte de manière générale, dans son contexte général, ils ont dit que le prophète sallam mahaddada. C'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il nous a obligés de prier par paire, il ne nous a pas obligés de nous restreindre à un nombre bien précis d'unités de prière. Donc ici, l'amr wasi'a. C'est-à-dire ici, donc, que c'est large, cette argumentation, elle est comme telle. Le hadith ici, il nous indique qu'il n'y a pas une restriction au niveau du nombre de prières, mais que le principal c'est de prier par paire. Voilà ce qui nous est indiqué par le hadith. Et voilà donc où la preuve avec laquelle ces gens du deuxième avis vont s'accrocher. Et pour ce qui est de la suite du hadith, فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمُ الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدًا تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. C'est-à-dire donc que la personne, lorsqu'elle prie par paire, il se peut donc, au bon moment, qu'elle soit fatiguée et qu'elle a peur donc soit de dormir ou alors soit, si elle continue à prier toute la nuit, d'arriver au sobh. Donc, avant d'arriver au sobh, il faut que, comme cela est la sunna, il faut qu'elle termine ses prières par al-witr. C'est pour ça donc qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la personne elle a peur donc ensuite du sobh, alors elle s'arrête de prier
par paire et elle prie une seule raka qui lui permettra donc d'obtenir l'witr. La prière donc impaire avec laquelle il termine ses prières. Les savants également, par rapport à ce hadith, ils vont nous citer que ce qui est préférable dans tous les cas, c'est que la prière, c'est que le prieur, il prie donc par paire. C'est-à-dire, il prie par paire, c'est qu'il prie deux raka'a et ensuite, il yatashahad wa yusallim. Et ensuite, il commence dans la deuxième prière, et ainsi de suite. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Hada wal afdal. Mais on va voir également qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prié sardan, c'est-à-dire donc qu'il a prié sans même taslim entre les unités de prière, et sans même tashahud entre les unités de prière, et qu'il a prié d'un trait. On va le voir, on va revenir dessus. Et ce qui nous prouve également ici, ce qu'on a dit sur ce hadith, c'est ce hadith qui est rapporté par Aïcha et d'autres, qui est auprès de l'imam Muslim et d'autres, « Kana an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl 'ashara raka'at. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait durant la nuit 10 raka'at. « Yusallim min kulli raka'atin thumma yutiru bi wahida. » C'est-à-dire qu'il fait le salam, le taslim, à chaque raka'atin, à chaque deux unités de prière, et ensuite, il finit par une seule raka'a, qui est donc al-witr. Et c'est pour ça qu'à partir de là, les savants ils ont dit, ce qui est le mieux, c'est de prier donc par paire, et de faire un taslim à chaque fois. Et il nous rappelle l'imam al-Nawawi, dans ce hadith, « Tutiru lahu ma qad salla », dans le premier hadith qu'on a cité, de Ibn Omar, il dit « As-sunnatu ja'al al-witr akhir al-layl » ou « akhir salat al-layl ». C'est-à-dire qu'il est préférable de prier al-witr à la fin de la prière, à la fin de la prière de la nuit. Et que son temps, waqtu, yakhruj bitulu al-fajr, c'est-à-dire que son temps, il s'arrête au moment où se lève le fajr, où se lève l'aube. Et c'est ce qui est le plus connu dans le madhab de l'imam Shafi'i, et c'est la parole de Jumhur, de la plupart des savants. Et certains, ils ont dit, parmi les savants, que le fajr, yamtad ba'd al-fajr, ou arfan al-witr, yamtad ba'd al-fajr, hatta yusalli al-fajr. C'est-à-dire que même si la personne, l'aube, elle s'est levée et qu'il n'a pas encore prié al-witr, il peut donc la prier tant qu'il n'a pas encore prié al-fajr. C'est donc ici un autre avis des savants. Ici, donc, je le rappelle pour al-fa'ida. Donc voilà ce qui est la preuve de ceux qui ont dit que cette prière-là, on peut, la prière donc de la nuit, on peut aller au-delà des 13 raka'at ou des 11 raka'at. Ils se sont appuyés, comme on l'a dit également, sur des athars de Omar et d'autres sahaba. Et donc ici, il y a la divergence entre les savants du deuxième avis et du premier avis sur ces athars, ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas valables, et ceux qui ont dit que, vu qu'il y a eu beaucoup de athars qui ont été rapportés des sahaba, même s'ils ne sont pas valables les uns des autres, mais lorsqu'on les réunit, ça veut dire qu'il y a ici un asr, c'est-à-dire qu'il y a en réalité une origine. Donc comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer ici dans les spécificités de ces riwayat, car il faudrait rentrer dans la science du hadith, ce serait beaucoup trop long, et peut-être trop compliqué. À la kulli hal, ici, ceux qui ont dit, pour ce qui est du premier avis, on ne dépasse les 11 ou les 13 raka'a, ils sont basés également sur ce hadith, qui est rapporté également par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Naam Aïcha, qui nous a rapporté tellement de hadith, radiyallahu ta'ala anha. La grande jurisconsulte. Elle vivait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle rapportait tout ce qu'elle voyait de lui. Et ce qu'elle ne voyait pas de lui, elle demandait donc à ses autres femmes. Et ensuite, elle nous a rapporté, elle nous a transmis tout ce qu'elle a su du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle nous a donné à cette communauté, elle a donné à cette communauté une grande science. Et combien de fois les compagnons venaient lui demander
à Aïcha, car il savait qu'elle possédait une science énorme dans la connaissance des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on voit tout ce qu'elle a rapporté comme hadith, et lorsqu'on regarde comment elle a rapporté ces hadiths-là, on s'aperçoit qu'elle informait avec précision, avec détail, et par des termes qui sont concis et très ciblés, et également avec une grande pudeur, parce qu'elle a rapporté également les actes privés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en informer la communauté. Et par moments, ça touchait des choses où il fallait donc une grande pudeur pour l'en informer. Et lorsqu'on voit le langage qui est employé par Aïcha dans ses hadiths et les termes si concis et si précis qu'elle nous a donnés, alors on s'aperçoit que c'était vraiment une grande, très grande savante. Savante de la langue arabe et savante du hadith, et comment rapporter ces hadiths-là. Et c'est pas pour rien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle s'en vantait à juste titre, et comme cela on l'a mis en évidence dans la série que l'on a fait sur les mères des croyants et qui présente sur le site. Et c'est la risala de Sheikh Abdel Razak fi at-ta'ammulat fi qawli azza wa jal wa azwaju ummahatuhum. Elle nous rapporte à Aïcha dans ce hadith, et elle nous dit: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعان فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعان فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. هذا الحديث متفق عليه rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Dans ce hadith, elle nous dit que le prophète sallam il n'a jamais dépassé durant le mois du Ramadan, et en dehors du mois du Ramadan, durant les nuits bien entendu, il n'a jamais dépassé 11 rak'a. Comment il priait? Il priait arba'an, c'est-à-dire qu'il priait 4 unités de prière. Et elle disait, Aïcha, ne demandez pas sur la perfection de ses prières et sur la longueur de ses prières. C'est-à-dire, lorsqu'elle nous dit « ne demandez pas », c'est-à-dire que ces prières-là, elles étaient « fi rayat al-husn wa tul », c'est-à-dire qu'elles étaient parfaites et très longues. « Thumma yusalli arba'an », il priait encore 4 unités de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « fala tasal al-husnihinna wa tulihinna ». De même, ne demandez pas à propos de sa perfection et à propos de sa longueur. Et ensuite, il priait 3 unités de prière. Voilà comment était la prière du prophète sallam, comme nous le rapporte Aïcha. Donc les savants du premier avis, ils ont pris cette base également. Ils ont dit que si le prophète sallam n'a jamais augmenté, n'a jamais été au-delà de ce nombre de prières, alors comment nous on va augmenter? Comment nous on va aller au-delà de cela? Est-ce que nous on est meilleur que le prophète sallam pour prier plus que le prophète sallam lui-même il a prié? Voilà donc ce qui est le umda, donc la preuve essentiel, fondamental pour les savants du premier avis. Et ici, une indication que l'on va donner et qui est importante. La première indication, c'est comme on l'a vu, le prophète sallam, il priait 4 unités de prière et ensuite 4 unités de prière. Ce qui veut dire donc qu'il y avait entre ces 4 unités de prière et les 4 autres un moment où il se reposait. Et donc de là, on a appelé salat al-tarawih. Et c'est pour cela donc qu'il est également de la sunna, lorsque la personne elle a prié 4 unités de prière, c'est qu'elle se repose un peu, comme le font, alhamdoulilah, beaucoup d'imams, et qu'elle reprenne ensuite pour les 4 autres. Et qu'ensuite donc, il se repose un peu, et qu'il finit donc par les 3 unités de prière, et qui va donc être considéré ici comme le witr. Le deuxième point que l'on cite par rapport à ce hadith qui est important, c'est que, lorsque Aïcha a dit qu'il priait 4 unités de prière et ensuite 4 unités de prière, ça ne veut pas dire qu'il priait 4 unités de prière d'un coup, sans qu'il y ait un taslim entre les 2 unités de prière. Mais en réalité, comme nous le rappellent beaucoup de savants, et parmi eux donc Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh, ils nous disent en réalité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait bien
deux unités de prière, ensuite deux unités de prière. C'est-à-dire qu'il faisait le salam, le tashahoud et le salam, taslim. Et ensuite il se relevait et il continuait sur la deuxième. Donc ça en faisait quatre. Et ensuite il se reposait. Et ensuite il se levait pour la, en réalité la sixième. Et ensuite yatashahad wa yusallim. Et ensuite il se relève pour la huitième. Tayyib. Donc on ne comprend pas. Et contrairement à ce qu'ont font certains imams, c'est qu'on prie quatre unités de prière d'un coup et qu'ensuite on fait un taslim ou au tashahoud de taslim et qu'ensuite on se relève et on fait encore quatre autres unités de prière et qu'ensuite natashahad wa nous sallim. Ce n'est pas ce qui est voulu par le hadith. Car il nous dit, cet imam, que el hadith yufassiru ba'd wa ba'd. C'est que ces hadiths, ils se expliquent les uns aux autres. Et que l'on doit revenir aux autres hadiths pour pouvoir comprendre les hadiths où il y a al-ijmal, c'est-à-dire où il y a un aspect général qui est donné. Et que si on regarde le hadith qu'on a cité auparavant, toujours le hadith de Aïcha, et qui est un hadith également rapporté par Ibn Abbas et d'autres, lorsque elle nous rapporte que le prophète sallam yusallim min al-layl 10 rak'at yusallim min kulli rak'atayn, c'est-à-dire qu'il prie ou qu'il prie 11 rak'at et qu'il ensuite yusallim min kulli rak'atayn, c'est-à-dire qu'à chaque rak'at il fait le taslim. Tayyib. Donc voilà ce qui est à citer dans ce hadith. Et également, si l'on regarde bien, il est meilleur de faire cela. Donc dans un premier temps, ittiba as-sunnah, et le deuxième temps, adam al-mashaqqa ala an-nas. Inam. Parce que ceux qui vont prier derrière l'imam, il va y avoir des gens qui vont être âgés. Et qu'il est difficile pour eux de prier longuement sans qu'il y ait un taslim. Donc c'est pour cela donc que l'on doit observer cela. C'est-à-dire qu'au moment où on va prier deux rak'ah et qu'on va à chaque fois faire le taslim, la personne, elle peut avoir donc un besoin, sortir. Elle peut également, la personne qui est vieille, se reposer un peu puis ensuite reprendre. C'est-à-dire que c'est bien plus convenable, confortable et plus doux pour les gens. Et on va voir également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié plusieurs unités d'unités de prière, même 11 unités de prière, c'est-à-dire 10 unités de prière d'un seul coup, sans même un taslim, et sans même s'asseoir entre les deux rak'ah. Mais comme on l'a dit, le mieux, wal afdal, d'ailleurs, c'est le meilleur dans la sunna, d'après le hadith qu'on a cité, c'est que la personne, surtout l'imam, donc, quand on est en groupe, c'est qu'elle prie deux rak'ah et ensuite deux rak'ah, avec chaque fois un tashahoud ou un taslim. Et que si elle va prier longuement, ça va être très dur pour les gens. Donc on doit observer cela, et c'est très important. Croyez-moi, pour les personnes âgées, pour ceux qui ont peut-être hajj, c'est-à-dire qu'ils ont un besoin qui advient durant la prière. Comment elle fait la personne pour sortir si l'imam il va prier longuement plusieurs unités de prière sans même faire le taslim ou couper les prières par deux. Ensuite, ce qui est important de rappeler ici, c'est ce qui est advenu de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sifat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salat al-layl, ce qui est advenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière de la nuit, c'est-à-dire les différentes caractéristiques, les différentes descriptions qui nous ont été données par les sahaba de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va donner les différentes images ou les différentes formes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié durant cette prière de la nuit et donc ce qui est possible de faire. Donc on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié 11 rak'ah ou 13 rak'ah. Pour ce qui est de la différence entre les 11 et les 13, alors certains savants, en scrutant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths qui ont été cités, ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps à autre, il faisait deux rak'ah de ce qu'on appelle istiftah, c'est-à-dire avant de commencer sa longue série d'unités de prière durant cette nuit, il priait deux petites rak'ah, légères.
Et c'était en guise donc d'ouverture de cette longue série de prières. C'est pour ça qu'il était rajouté donc à ce moment-là deux autres unités de prière dans ce qui est venu de la part des sahaba lorsqu'ils ont rappelé le nombre de ce que priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme unité de prière. Donc c'est pour ça qu'on voit ici la différence entre 11 et 13, comme nous l'a rappelé beaucoup de savants et parmi eux Ibn Hajar, rahmatullah alayh, comme il nous a dit fil fath, قال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء لكوني كان يصليها في بيتي أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم عنها أنه كان يفتتحها بركعة خفيفة. نعم. Donc soit ces deux unités de prière, c'est les deux sunna que le prophète s'est mis à prier après le isha, soit donc c'est les deux unités de prière qui lui servaient donc à ouvrir يفتتح به, à ouvrir la longue série de Qiyam al-Layl. Voilà donc pour ce qui est de la différence entre les 11 et les 13. Donc quand on dit 11 et 13, on comprend maintenant ce qui est voulu par cela. Donc le prophète sallam, il priait pour ce qui est de cette première forme 11 raka'a. Tayyib, il les priait raka'aten raka'aten. Et c'est ce qui est de manière générale appliqué par la plupart des imams de notre époque. C'est-à-dire qu'on prie raka'aten, Natashahad Musallim, et on continue avec deux autres rak'a, et ainsi de suite. Jusqu'à qu'on arrive donc à la dernière rak'a que l'on doit faire comme witr, c'est-à-dire qu'on prie une seule fois. Que l'on prie une seule unité, c'est al-witr. Et il est permis également, ce witr-là, de le prier en trois unités de prière. Mais lorsqu'on va le prier en trois unités de prière, il faut faire très attention ici, c'est qu'on n'a pas le droit de faire at-tashahud ou al-julus après les deux premières unités de prière, mais qu'on les fait trois d'un coup. Et pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire ressembler le witr à Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib, c'est connu, on prie deux unités de prière, ensuite natashahad, et ensuite on se relève pour la dernière unité de prière, et ensuite natashahad wa nusallim. Donc, pour ne pas que cela ressemble à la prière du Maghrib, si on prie trois unités de prière pour al-witr, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire qu'on doit les faire les trois d'un coup. C'est qu'une fois arrivé à la deuxième unité de prière, je n'ai pas le droit de m'asseoir et de faire tashahhud. Non, je me lève directement à la troisième. Je continue dans la lancée pour la troisième. Et ensuite donc, à la troisième et dernière, natashahhud wa nusallim. Donc c'est pour cela, c'est ainsi que cela doit être fait pour être en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ne pas tomber dans le nahi, pour ne pas tomber dans l'interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans la ressemblance avec Al-Maghrib. Et il est également possible, comme cela est venu également dans la sunna, qu'il prie d'un seul coup 10 unités de prière. Il ne s'arrête pas. Il ne s'assoit pas. Il prie 11 unités de prière d'un seul coup. Sardan. Et ensuite, arrivé à la dernière, c'est-à-dire à la 11e, alors à ce moment-là, il s'assoit. À ce moment-là, il s'assoit. Et ensuite, yatashahad wa yusallim. Donc ça, c'est également venu du prophète sallam. Mais le premier, comme on a dit, c'est l'afdal, comme on l'a cité en répété. Également, il lui est possible de prier 8 unités de prière d'un coup. Et ensuite, après avoir fini la 8e, il s'assoit, wa yatashahad, tayyib. Et ensuite, il se relève, il termine la 9e, et ensuite il se rassoit, yatashahad wa yusallim. Également, ça c'est une des formes. Il lui est également permis de prier 7 unités de prière, ou alors 5 unités de prière. Et durant ces 7 et ces 5 unités de prière, il ne s'assoit jamais, sauf à la dernière. À la dernière rak'a. Au moment où il va, yatashahad wa yusallim. Comme cela est venu de Umm Salama. Et également, il lui est permis, donc, comme on a dit, qu'il fasse le witr, de trois unités de prière, comme on l'a défini auparavant et rappelé auparavant. Tayyib. À la kulli hal, il y a encore beaucoup de choses à dire. On n'a fait qu'à peine la moitié du cours. Et on continue, Inch'Allah, donc. Le prochain cours, je vous annonce quand il sera. Ce sera donc un deuxième et dernier cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك